What are you doing here? The wolves are circling. I came here to help you. I'm gonna help you save Padre. They are his army. They're outnumbered. That place, that's all I have left, Victor. You still have something left worth fighting for. The people we love. It can let you live forever. Ce qui est dommage, c'est que tout est téléphoné déjà. On sait que Troy va mourir, qu'Alicia va revenir, enfin... Mais comment voulez-vous qu'on soit investi avec la mère de Tracy, la meuf de Troy? On la connaît pas, c'est une random, enfin c'est terrifiant. Hein. Bon là ils sont morts, en fait ils sont juste, ils doivent être morts. Bah voyons. Là, techniquement, Troy et sa fille sont décédés. C'est terrifiant. Dad, please. Okay. Elle est pas si mauvaise en acting, hein, cette enfant. C'est pas parfait, mais... Then we'll do what we said. We'll make Padre. You are. Can't do it, Victor. Why not? Putain. Ah, mais quelle saloperie, putain. Mais je préfère me prendre un concombre dans le cul, hein, clairement. Don't shoot. What are you doing? Never be able to catch him in this. Elle s'est téléportée, la gamine. Allez, dites-le nous qu'elle est pas morte. On sait qu'elle est pas morte. C'est juste pour nous faire patienter. Mais en plus, son retour, moi je m'en bats les couilles du retour d'Alicia. Je vous le dis honnêtement, rien à foutre. Hein. Oh, quelle scène de con avec... avec sa branche dans le corps, la putain. Mais qu'est-ce qui se passe? I'll bury you next to her. Like non, mais regardez-le l'autre avec sa... C'est vraiment... Tout est con dans ce... Non mais... Vraiment, c'est lamentable hein, ce qu'ils font. Hein. Enfin, en même temps, vous me direz... c'est aussi la faune des fans hardcore s'ils sont pas capables de voir qu'on se fout de leur gueule. Puis Alicia, franchement, on s'en branle depuis, depuis la saison 4, quoi, je veux dire. Non mais regardez-le les trois, là. Regardez-le les trois débiles. Non mais regardez, regardez. Elles sont là, tu sais, oh putain. Non mais toi, on t'a pas donné une chance ou deux, hein, Victor. On t'a donné 47 chances, toi aussi. Avec ce faux mystère à deux balles, on n'en peut plus. Alicia, c'est bien les trois premières saisons. Après, c'est de la merde comme le reste, en fait. Made a promise. Hello, Lark. Hein? Mais putain, mais il sort d'où les mecs de Padre là? C'est pas le frère lui? Oh là 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 là. Belong to me and my sister. Me barrer. Il me reste encore un épisode d'affaires après. Putain, Mason avec tout ce qu'elle prend dans la gueule, elle devrait être morte. Regardez-moi les deux cons là. Madison, do you copy? Et allez, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Genre il s'est pas mort de la regarder, mais putain mais c'est waouh, c'est mais faut que je embrasse. Because he's the only one who knows where the herd is. We can find it. I can't. You know, Crane and those guys. I was taking them in the wrong direction. Why? Victor, do you copy, Victor? Found you. Come on. Non mais c'est... C'est lunaire hein. Et il vise bien en plus. Et oui, bah oui. Bah oui. Il sait même pas de quoi il parle, je te rassure Troy, même lui il sait pas. And then when we found you in that water truck, gasping for air, surrounded, and you thought. C'est ça la révélation de... We're gonna save your kids. Et il y a des gens qui vont défendre cette merde. Hein. Regardez-moi les cons. Regardez-moi ces deux idiots. Oh là 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 là, mais... Tout est lamentable, hein. C'est... Waouh, c'est... Because I wasn't telling you the truth. About what? Let go. I told you that because I saw it in Serena's eyes. Il file mal au crâne. Les dialogues filent mal au crâne parce que... I didn't do what Serena asked. I didn't... We're here, Troy. The rest of the herd's caught up.
I just wish you could see it. Le petit chat. Non, pas ma horde. Non, mais tu. How can you possibly trust him after everything he's done? Because that's what you do when you give a person. Tracy, getting ready to head out. Can you help the others load up so I can talk to your dad? I'll do everything in my power to make sure I'm worthy of the second chance. Well, okay. And everyone on. That's just a toy. For Nick and Alicia. Why would I do anything you say? Oh no. Louis. No. Alicia. Mais putain, mais c'est la fille d'Alicia. Non, 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 non. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc là, on a découvert que sa fille, en fait, c'était celle d'Alicia. Elle dit à Tracy de pas avoir peur, elle a essayé de la tuer. T'es. Tracy, reviens, je suis ta grand-mère. C'est ça en plus, putain. See what they're gonna do to help his daughter? Do what you want. We gotta keep moving. Ah, c'est bon, mamie est là. Where are you taking me? Non, non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Non, franchement, vous avez pas le droit de chambliser Goldberg, d'oser mettre tous les personnages de Fear. Vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit. Vous avez détruit le show. Merci beaucoup, Newt. Toujours un plaisir de bosser avec toi. I can't run the risk of you taking her back to the island. To be put at rest. Mais elle est pas morte, Alicia, arrêtez avec vos conneries. This for. My dad said he got it from my mom. Help you process what Troy told you. No. Mais qu'est-ce que vous glandez? Mais on peut savoir ce que branlent les personnages? Non mais en plus, Tracy, vous la prenez pour une conne, elle sait très bien que vous êtes des gros débiles. Au lieu de partir tous ensemble, à Padre ou ailleurs, ils nous cassent les couilles avec leurs problèmes qui s'inventent, hein. Oh là 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 là. Bon, c'est stylé, hein, d'un côté, je trouve. My walkers, just like you. But the walls are holding. It's Tracy there. What the hell does that mean? Why would you tell him that she died? Troy was in a... Frank? Frank? Can you hear me? You... From the past. Oh non, 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 pas ça. Laissez John Dory où il est. Mais ça veut dire que, entre parenthèses, Sarah, Wendell et tout, ils sont tous morts en off en fait. Bien, Dwight. Au moins, balancer au rôdeur, son culé. We have all lost people, Daniel. I was thinking about Los Angeles the other day. You got the right idea. Run as far away from these people as you can. Because you. On comprend rien là ce qui se passe, hein, d'accord. Les rôdeurs ont entouré Padre, mais je. Oh putain, quel talent d'acting, ils sont tous à des kilomètres, les pauvres. I came here to save her. I came the things that they didn't have. So when you were a kid, you didn't have any. Oh. Mais genre vraiment, il y a des gens qui aiment ça. Il y a vraiment des gens qui aiment Fear saison 8 quoi, il y a vraiment des gens qui trouvent ça bien. C'est terrifiant. Hein. Ok, donc la transition du combat est terminée. Enfin, là, c'est tout. Elle a tiré ce qui a potentiellement attiré plein de rôdeurs autour, mais elle a réussi à l'enterrer, etc. Non, mais c'est... Waouh. Mais en fait, c'est lamentable. Donc, le combat à Padre, c'est tout ce qu'on a eu. Ah, c'est... La balle, elle a ricoché sur le chargeur. Tout est téléphoné. He led the dead into Padre's walls, so we could escape to the docks. It's for you, too, so you would know. Know what?
Ils ont fait une Walking Dead saison 11, on se débarrasse de la horde comme ça avec une explosion, hop là, salut, au revoir. Oh, mais qui c'est avec sa capuche? Oh non, t'approches pas. Oh, j'arrive même pas à en rire. J'arrive même pas à en rire tellement c'est lamentable. On va le rendre à papy gâteux, là. Skid Mark, putain. Oh putain, on comprend rien. Oh putain, oh, ils sont forts les cons, hein. Oh putain. Ouais, le FC Alicia. Ouais, le groupe qui débarque, qui vont faire leur au revoir, leur adieu. Madre, ils ont appelé ça Madre. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, récupère son chat, il est content, Skid Mark, voilà. T'es nul, hein. Oh putain, c'est ça la fin de Fear. Oh la vache. Allez, oh, je vais même pas avoir les au revoir. Allez, on s'arrête là. Non, mais je sais pas quoi vous dire, honnêtement. Vous vous rendez compte que je me fais traiter de cancer de The Walking Dead parce que je n'aime pas Fear. Alors que je suis quand même l'un des seuls youtubeurs français à faire vivre l'univers. Et surtout le défendre corps et âme. Donc c'est quand même assez terrifiant de recevoir ça, ce genre de message comme quoi... On est cancer, alors que je donne tout pour cet univers-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ce final? J'y suis même pas, l'équipe, hein, je vous le dis honnêtement, j'y suis même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nul, tout est nul, rien n'a de sens. Le retour d'Elessia, on le savait. La mort de Troy, on l'avait vu venir. Les personnages se contredisent encore une fois toutes les 30 secondes. Mais ça, c'est encore une fois, c'est les choses que je répète à chaque fin d'épisode. Voilà, elle retrouve Alicia, toutes les trois, elles partent ensemble, finalement, c'est pas l'enfant de Troy, Troy a menti parce qu'il savait que Madison aurait pu protéger cette gamine, mais cette gamine, il l'a protégée lui pendant presque, je sais pas, 8 ans à peu près, donc ça n'a aucun putain de sens. Victor qui s'en va de son côté, à la fin, ça s'appelle Madre, je veux dire, toute la tension, on n'a pas eu, hein, c'est-à-dire qu'on a les rôdeurs qui attaquent Padre, mais c'est plein de transitions, en fait, donc le combat, on ne le voit pas vraiment. Madison, elle a fait une reddit du mid-season de la saison 4, elle a sauvé tout le monde, puis après Madison, après Alicia la retrouve, et puis tout est bien qui finit bien, tout le monde se dit au revoir, chacun part de son côté, Tete et Chéri, ils partent pour le sanctuaire. Pourquoi faire pour créer une nouvelle communauté? Donc sûrement Carol qui a voulu expliquer ça, excusez-moi, à Daryl dans Daryl Dixon. Non mais c'est nul, j'ai rien à dire, enfin, franchement on se répète tous les lundis, on se répète, je préfère faire un grand live demain avec Tokoy pour en parler, et là tout est lamentable de A à Z, les situations sont cons, c'est ça l'épisode final, le double épisode final, c'est ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun enjeu dramatique. Troy est revenu pour mourir. Alicia, elle est juste là, les 15 dernières minutes. Hein, tu sens que l'actrice, elle en avait rien à foutre. Elle s'est barrée pour une raison. Non, mais c'est lamentable. Vraiment lamentable de A à Z. Mais en même temps, on a eu affaire, je pense, à la pire saison de Fear. Et aussi à la pire série, une des pires séries que j'ai pu voir de ma vie, hein, clairement. Donc, c'est fini. Je suis content, j'ai réagi à cette merde jusqu'à la fin. On en parle demain en live. J'emmerde bien évidemment toutes les personnes qui sont pas contentes que j'exprime mon avis. J'en ai rien à foutre, je vous le dis avec tout le respect, hein, de ce que vous pensez. C'est de la merde et c'est noir sur blanc. Si vous aimez Fear, c'est que vous n'avez jamais aimé les trois premières saisons. C'est inacceptable pour moi de proposer un show pareil. IMC sont des assassins. Quand on voit Daryl Dixon, Dead City et qu'on voit Fear, je me demande comment ils peuvent proposer un show pareil. Je le dirai jusqu'à la fin, il n'existe que 3 saisons pour moi de Fear the Walking Dead, la 1, la 2, la 3, un petit peu de la 6, mais jamais à la grande, à la hauteur, excusez-moi, des 3 premières. J'en suis très content d'en avoir fini une bonne fois pour toutes, on va pouvoir se concentrer sur des vrais projets comme Daryl Dixon, comme Dead City, comme Rick et Michonne. Donc voilà, au revoir Madison et sa bande de gros débiles, des acteurs en plus qui n'y étaient pas, hein. Franchement, Kim Dickens, Coleman Domingo, c'était catastrophique, mais voilà,
on s'arrête là. Ça sert à rien de débattre pendant 107 ans. Tout ce que je dis depuis maintenant plusieurs années, c'est là, hein, c'est devant vos yeux. C'est une catastrophe. On se voit demain à 21h pour conclure une bonne fois pour toutes The Walking Dead. Fear The Walking Dead. Voilà. Portez-vous bien, le petit pouce bleu, et j'ai hâte de me concentrer sur des vidéos qui me semblent beaucoup plus intéressantes que cette purge qu'on a eue avec cette saison 8.